It's amazing to be in Venice, especially with my cast and crew, whom we made this film together. It's really, really, really difficult to make, especially these kind of films. And celebrating this, like, all of us together in Venice, watching the film on the big screen, that makes you feel that it's worth it to, you know, like, going through all those difficulties. So we are enjoying the moment right now. Thank you so much. Alors, ce que m'inspire cette photo, c'est justement un regard vers quelque chose qui peut être l'inconnu en fait. Je préfère vraiment que ce soit l'inconnu, que ce soit ni un concert positif ni négatif, mais il y a un côté fataliste et un côté... en fait, la beauté de l'inconnu, vers quoi on peut aller, le cinéma nous permet toujours de garder une ouverture vers quelque chose d'encore possible. Enfin, pas forcément beau ou moche, mais en tout cas, une possibilité d'un ailleurs. Voilà. Ok, bah, je suis content d'être là, j'ai fait un film. Je suis content de l'avoir fait et fier de moi. Très bien. For me, well, I'm very happy. I'm just very happy to be here. It's my first time in the Venice Festival. It's so great to work again with Mohamed Ben Atiyeh, with whom I worked in 2016 on the movie Hevi, and to work again with Lina and Dorra and a part of the whole crew, and with new faces such as this very talented and handsome young man. And Samer, Salma, and the other actors. So yeah, I'm just very excited to be in this beautiful city and this beautiful festival. Je partage pas le pessimisme. Je pense que le cinéma, il meurt et il renaît tout le temps. Je crois que les gens ont toujours envie de voir des films. Mon enthousiasme d'être à Venise est immense parce que c'est la première fois que j'ai la chance d'être invité au Festival international du film de Venise. Et pour moi, ça représente le cinéma international dans tout ce qu'il a de plus beau, du glamour aussi, de toute cette histoire de cinéma italien que moi je chéris. Nous on a le Festival de Cannes, mais ici, moi c'est les Mastroianni, c'est Fellini, c'est toute une période du cinéma que j'aime énormément. Et d'être là et de participer à cette histoire, c'est une grande chose. La Mostra Internationale d'Arte Cinematografica, la Biennale de Venise, c'est mythique, c'est légendaire. Donc moi aussi, c'est la première fois. Il y a une sorte, c'est comme un rêve un peu continu, comme ça, avec des rendez-vous, des horaires qui se décalent un peu. On est sur un petit bateau, on avance. C'est vrai que je repense à tout le cinéma italien. Ah oui. On rêve. Il y a eu une époque où les acteurs français venaient beaucoup jouer en Italie, et je me rappelle avoir parlé avec Trintignant qui adorait ça. Ils allaient en Italie et ils tournaient des films là-bas. Ouais. J'aimerais que ce temps-là revienne, mais je ne suis pas sûr qu'on soit parti pour. Non. Mais en tout cas, ici, c'est merveilleux. Voilà. C'est de l'émotion, c'est de l'enthousiasme, mais une sorte d'émotion cinématographique. C'est vrai. De toucher ce qu'est le cinéma. この車が向かう先はどこか、まあ、80年って書いてあるんで、まあ、100年先なんじゃないですかね。100年目も映画祭に向けて、まあ、どんどん発展をしていってほしいと思います。今回、このような、音楽だけじゃなくて企画に携わった映画で、このようにベネチアに来ることができてとても嬉しいです。そうです、来て、まあ、いろんな、昨日、おととい着いたんですけど、昨日は一日、美味しい食べ物を食べたり、散歩したり、リゾートの海を楽しんだので、楽しい一日でした。ありがとうございます。Usually your night festivals, well, it's an excuse to come to Venice, and any excuse to come to Venice, I accept.Because I love Venice so much. I was married in Venice by the mayor of Venice. I fell in love with Venice the first time I came here. I love being here. And so if it was a festival or someone was being hanged,
I would still come to Venice because I love it so much. Now, the fact that it's about movies makes it double charming for me because I love movies and I love the enthusiasm of the people for film in Venice. They're very generous, they're very enthusiastic about film. And so I get a double treat. I get to go to Venice and I get to be amongst people who love cinema. And this is a great, great privilege. It's so exciting to be here at the Venice Film Festival. It's a dream for a filmmaker. I'm so excited to be here with Kaylee and Jacob. It's their first time here. And for me, it's my third film. And I have great memories of being here 20 years ago with Bill Murray and Scarlett Johansson for Lost in Translation. So that's a great memory. And then coming here for Somewhere and getting Gold Line is one of my best souvenirs. Yeah, I mean, this is our first time in Venice in general. Mm-hmm. And then getting to go to the film festival with this film, it's just surreal. It's the best way to do it, I think. Yeah, I think being here at for the 80th anniversary of the festival is just totally surreal. It's you can't really dream this kind of thing. Bah, moi du coup, je suis extrêmement heureuse et honorée d'être à la 80e édition du festival de Venise, la Mostra. C'est en fait, je me sens très émue parce que ce film, c'est 3 ans de travail, c'est mon premier film. Et pour moi, le fait qu'il se retrouve comme ça à la Mostra, c'est comme un rêve qui se réalise. Et voilà, et à part l'émotion, je n'ai pas beaucoup de pensées très intellectuelles à dire pour le moment, mais voilà, longue vie au Festival de Venise. C'est très important que des festivals qui se battent pour le cinéma et pour que plein de... comment dire, de façon de penser le monde et de le voir, et des regards existent et continuent d'exister. Voilà. Je pense que le cinéma a encore de très beaux jours devant lui, notamment ce festival par exemple, qui est quelque chose qui élève le cinéma, qui est très ouvert sur le monde, et je crois beaucoup à ça. Même s'il y a moins de monde dans les salles, il y a toujours de la production, il y a toujours des idées, et c'est un moyen d'expression qui, à mon sens, est vraiment fondamentale pour la société. Le cinéma ne s'arrêtera jamais, j'en suis sûr. Mais maintenant, il faut espérer que les gens viennent plus nombreux dans les salles. J'y crois. Eh bien, je pense que le cinéma est en train de reprendre un peu de la santé après des années de pandémie et de tous les Netflix et tout ça, et que les gens, en tout cas en France, les gens retournent au cinéma parce qu'on a toujours besoin de se retrouver dans une salle avec des gens et regarder dans la même direction.